Yo les gars, c'est Jeffrey, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et on n'est pas en club pro, ça fait bizarre, mais je me suis dit, il y a l'euro, ils ont sorti un mode spécial, menez votre pays. Donc j'avais vraiment pas envie de faire une carrière complète en tant que joueur. Après, si ça vous intéresse vraiment, j'y réfléchirai. Mais là, je me suis dit pourquoi pas faire une petite carrière en mode du coup UEFA Euro 2024 qui se passe en Allemagne et en sélection. Pourquoi pas aller du côté de l'Espagne en tant que buteur? Parce que c'est vrai qu'ils ont jamais eu, enfin en tout cas ces dernières années, un buteur à proprement parler qui plantait énormément. Là, le dernier en date, c'est Morata. Je pense que je peux lui piquer sa place. Je vais pas choisir la France pour que ce soit trop facile. Donc je me suis dit l'Espagne, j'aime bien le Barça, vous le savez, donc pourquoi pas me lancer de ce côté-là. On va voir comment ça se passe. En tout cas, j'espère que ça va vous plaire. N'hésitez pas déjà à liker, à vous abonner et partager la vidéo. Ça ferait super plaisir. Et à activer la cloche du coup pour être au courant des prochains épisodes. On va essayer d'aller se gagner 7 euros. Du coup, on va se créer un nouveau joueur. On va pas en utiliser un vrai. Choix de l'équipe, je l'ai dit, l'Espagne. Parce qu'après, en vrai, ouais. Pareil, l'Allemagne, c'est trop facile. L'Angleterre aussi, je pense. Donc c'est un favori, mais pas trop l'Espagne. Surtout, c'est pas les joueurs les plus méta qu'ils ont dans leur équipe, de ce que j'ai vu. Donc on va choisir l'Espagne. Et du coup, sélectionner un avatar. On va prendre celui du milieu. Je sais pas, ok. Bon, je l'ai modifié vite fait, et on se retrouve. Mais du coup, voilà les gars, j'en suis arrivé à ce résultat. Franchement, j'ai pas trop modifié, mis à part la coupe de cheveux. J'ai mis un petit, enfin une mouche, ça s'appelle. Au niveau du bouc, voilà, vous voyez, juste en dessous la lèvre. Je sais pas exactement comment ça s'appelle. Des petits crampons, des petits tatouages, une petite célébration que j'espère on fera beaucoup. Et du coup, voilà, j'ai rien modifié de plus. On va voir un petit peu ce que ça donne. Vraiment, je me suis pas spoil, je me suis dit, on va le découvrir ensemble. Donc c'est parti, menez votre pays. Ok. Est-ce qu'on va prendre la place de l'Italie, les gars? Telle est la question. Je sais même pas qui y a dans notre équipe, pour vous dire. Je pense qu'il n'y a pas de Lamine Yamal, il a encore 16 ans. Du coup, notre groupe, Croatie, Italie, Albanie. Donc c'est le même qu'en vrai, logique. Je sais même pas si on va faire les entraînements et tout, les gars. J'ai pas envie de trop augmenter. Mais en fait, je me dis qu'on va être obligé. Parce qu'avec 70 de général, on va pas mener grand-chose à la finale. Donc on va voir ça, je vais essayer de découvrir un petit peu ce qu'il propose. Ouais, en vrai, on va se les mettre les séances d'entraînement. Je pense qu'il vaut mieux. Hop. De toute façon. Ah putain, j'aurais bien aimé les simuler. Bon, je les fais vite. Ok, choix du style de jeu. Qu'est-ce qu'on va prendre? Foulée rapide. La taille, les gars, j'ai mis exactement ce que j'avais en club pro. Donc 1m72 pour 50. Ouais, 54 kilos, pardon. Donc voilà, ok, ben on n'a qu'un entraînement à faire, donc ça c'est bien. Améliorer votre technique, obtenez jusqu'à 7 styles de jeu pour votre propre joueur. D'accord, donc on commence avec rapide. Est-ce qu'on peut voir mes stats? Oula, 68 en conduite de balle, 66 en dribble, 73 en finition. Ça va être complicado, hein, on va pas se mentir, mais bon, c'est pas grave. Ok, ben on joue directement le match, on va le faire. Je pense qu'on va se faire juste un match pour une mise en bouche et après on continuera dans l'épisode 2. Donc on est parti face à la Croatie. Notre équipe, pardon, la voilà. Unai Simon au cage, Carvara à la droite, Laporte et Torres, Pau Torres en défense centrale, Grimaldo à gauche, donc ça c'est plutôt cool. Rodri, Merino et Gavi qui est blessé dans la vraie vie. Qui là se retrouve sur le terrain, ça c'est un peu dommage, le réalisme à son paroxysme. Dani Olmo sur la gauche, Asensio sur la droite, pareil, je sais même pas s'il est sélectionné Asensio. Oui, en vrai, je pense quand même. Et du coup, je suis à la pointe de l'attaque, ça c'est bien qu'on soit devant quand même, la moindre des choses. Donc, oh putain, j'ai même pas choisi la difficulté, ils m'ont pas proposé, je crois. Je crois que c'est en légende, je veux pas me tromper. Donc, on va laisser comme ça. Et on est parti du coup. Merci, je sais ce qu'est un style de jeu. Ok, ben on est parti pour ce match. Ok les gars, je vais juste modifier la caméra en vrai. Je vais mettre la caméra comme on avait mis l'année dernière en carrière, c'est-à-dire celle côté joueur. Alors, il faut juste que je me rappelle
Ah ok les gars, en fait c'était ça, j'étais en focus tactique. C'est pour ça que ça me paraissait bizarre depuis tout à l'heure. Donc là on va mettre pro et on va continuer cette compétition. Voilà, là oui. Attention à la frappe lointaine. Le bel arrêt d'Unai Simon. Il l'a trouvé dans l'espace. On va essayer d'aller aider parce que là à mon avis ça va être compliqué de gérer ça. Unai Simon l'arrêt. Ok. Fin de la première période, les gars. Franchement, c'est pas grand chose. Surtout de notre côté, du leur un peu plus. Ils ont eu 2-3 frappes. Alors que l'Albanie et l'Italie font un partout à la mi-temps. Ça, c'est bien pour nous. Donc, 2 matchs nuls pour le moment. À nous de changer les choses. Mais c'est compliqué, les gars, avec 60, 70 de général, très exactement. On va voir ce qu'on peut faire. Ok, la récupération. On la met sur le côté, Gavi. Bien joué, la belle combinaison. Allez, faut la mettre. Faut la mettre. Et bien sûr que le 9 de l'équipe va marquer. Je suis capitaine, j'avais même pas capté. Et voilà, la célébration, la fameuse. On est là pour le premier but de la compétition de l'Espagne. Et au niveau personnel également. Ok, on a un petit flow. On dirait un petit peu une meuf, mais ça va, c'est stylé. Belle combi, façon Espagne, tiki-taka. Et là, la finition. Magnifique, 70 de général, mais on sait ce qu'on fait. Attention à Pazalic. En retrait, attention, ils ont bien joué le coup, Kramaric. Et quel arrêt d'Unai Simon qui nous sauve pour le moment d'une défaite. Je vais aller aider. Allez. Oh, j'essaie de la contrer. Mais Unai Simon qui nous sauve vraiment. S'il veut. La petite feinte. Une fois, deux fois. La frappe puissante. Là, je me suis un petit peu enflammé en tant que capitaine. Il me la fallait. Oh non. Oh, il est passé et on l'encaisse. Logique. Logique parce que là, franchement, on fout rien. Moi, le premier. Et du coup, un partout. Attention. Non. Oh là 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 la barre. Oh. Vite que ça se finisse. C'est fini les gars et heureusement pour nous parce que je pense qu'une minute de plus et on perdait ce match. Franchement, on s'en sort avec le nul et c'est un exploit déjà. Va vite falloir se réveiller dans cette compétition parce que de toute façon en 3 matchs c'est plié et du coup tout le monde a fait match nul. Du coup ça change rien. Ok. On va voir un petit peu. Du coup, il faudrait que j'aille voir au niveau de la difficulté, je sais pas du tout. Bon, légendaire, est-ce qu'on met ça ultime? Je sais pas. Écoutez, je laisse légendaire. Dites-moi en commentaire si vous voulez que j'augmente la difficulté. Pour le moment, je laisse comme ça. 6 minutes, c'est très bien. Et qu'est-ce que je voulais voir d'autre? Bonne question. Du coup, classement, vous le connaissez. Ah non, pardon, l'Albanie a gagné. Ah ouais, ok, ils ont déjà joué leur deuxième match, je me disais. Du coup, pour le moment, c'est l'Albanie qui est en tête avec 4 points. C'est quand même fou, hein. C'est l'outsider et pourtant, bah écoutez les gars, on va se laisser là-dessus. N'hésitez pas à liker la vidéo, à me dire en commentaire si le concept vous plaît. Je trouve que ça change un peu, c'est cool. Donc voilà, on va essayer de tout donner de toute façon. Je voulais juste me mettre tant qu'à faire, hein, vu qu'on est numéro 9. On se met numéro 9, hein. Et en plus on est titulaire, donc pourquoi se priver? Voilà, on va y aller comme ça dans le prochain épisode. Merci à tous d'avoir regardé jusqu'ici. N'hésitez pas à liker, partager, à vous abonner. Et moi, je vous dis à la prochaine.